Bonjour à tous, Olivier, vous êtes là, c'est parfait. Aujourd'hui, pour introduire rapidement, on va parler d'une filière dont on n'avait pas encore parlé, l'informatique, avec une école qui s'appelle donc l'ESTIAM et son directeur Olivier Comès qui va nous présenter l'école, nous parler des formations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions du live. Et on va commencer tout de suite. Bonjour Olivier. Bonjour Leslie, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Eh bien, je crois que je vais très bien. Je suis très content d'être avec vous. Super, ben merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc j'ai introduit rapidement le live, mais peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu, nous présenter votre rôle à l'ESTIAM pour introduire. Tout à fait. Moi, je suis le papa de cette école. Donc, je l'ai créée avec des associés, bien entendu, en 2015. Donc, c'est une jeune école, Estiam. Mais ce n'est pas plus mal parce qu'on s'occupe d'une industrie qui est plutôt jeune, qui est le numérique. Et donc, ça nous permet vraiment de coller aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc, à titre personnel, ben, moi, je suis tombé tout petit dans l'informatique. Et c'est un peu mon fil rouge sur toute ma carrière. Et j'ai eu une période assez longue où j'ai fait ce qu'on appelle de la chasse de tête. Donc, un chasseur de tête, c'est quelqu'un qui fait du recrutement. C'est un peu une filiale entre Pôle emploi et le Père Noël. Et donc, le job du chasseur de tête, c'est d'aider des entreprises à recruter les personnes dont elles ont besoin. Et donc, vous verrez que c'est pas mal dans l'ADN de l'école d'aider les entreprises à recruter nos étudiants. Voilà, ça, on va bien en parler. Ouais. Et ensuite, bon, après une quinzaine d'années de chasse de tête, donc quelques milliers d'entretiens d'embauche, eh bien, j'ai essayé de mettre tout ce bagage à profit des étudiants, et toujours dans l'informatique, je vous l'ai dit, c'est mon fil rouge. Et donc, ça fait maintenant une grosse vingtaine d'années que je suis dans le métier de diriger des écoles. En général, quand je dis des écoles, c'est que souvent j'en gère plusieurs à la fois. Et donc là, on parlera d'Estiam. Estiam, ce n'est pas un campus, c'est sept campus en France, c'est des campus à l'étranger, donc on en parlera tout à l'heure. Je vous laisse le contrôle de l'interview. Non, non, mais il n'y a pas de contrôle. Le but, c'est qu'on aborde un peu tous les sujets. Mais déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très clair et hyper intéressant d'avoir justement ce côté sourceur de candidats. Est-ce que pour parler plus concrètement de l'école, vous pouvez nous présenter un petit peu l'ESTIAM justement, concrètement ce qu'on apprend à l'ESTIAM et puis quelles sont les valeurs, la pédagogie de l'école? Alors l'ESTIAM, c'est l'école supérieure des technologies de l'information appliquées au métier. C'est-à-dire qu'on est une école d'informatique, mais avec une particularité, c'est que on est parti de l'idée qu'on ne fait pas d'informatique chez Airbus comme on en fait chez BNP Paribas, par exemple. C'est-à-dire que les environnements sont différents en fonction du type d'entreprise. Et donc nous, on va adapter nos cours en fonction du type d'entreprise où nos étudiants vont aller. Et ça, on le sait très tôt, puisqu'on va vous aider à trouver des stages, à trouver de l'alternance et ensuite à trouver un boulot. Je vous l'ai dit, hein, l'ADN d'aider à recruter, c'est vraiment dans l'ADN de l'école. Et donc, du coup, on va vraiment adapter nos cours en fonction de l'environnement où vous allez aller. L'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre ce que vous faites à l'école et ce que vous ferez en entreprise. Comme ça, vous êtes très, très confortable quand vous êtes dans une entreprise, que ce soit pour un stage ou pour une alternance, ou après dans votre carrière. Et donc ça a un double avantage. Le premier, c'est que ça vous aide à trouver. C'est-à-dire que quand on envoie un CV chez, je sais pas moi, Canal+, en disant, voilà, moi je suis dans une école où je vais faire de l'informatique pour le secteur des médias, parce qu'on a cette spécialité-là, eh bien forcément, votre CV, il passe au-dessus de la pile. Puisqu'il est en compétition avec des CV généralistes. Vous êtes CV avec un CV d'un informaticien, mais pour le secteur des médias. Donc c'est vraiment très intéressant pour Canal+, comme on a la même démarche. Si vous voulez postuler dans une boîte financière, ben on a un cursus dans la finance. Si vous voulez postuler dans le secteur de l'industrie, on a un cursus qui est adapté au monde de l'industrie, c'est-à-dire les véhicules sans conducteur, tout ce qui est usine 4.0, ce genre de choses. Et donc, le premier avantage, c'est donc que ça vous aide à trouver. Et le deuxième avantage, c'est qu'une fois que vous avez trouvé,
Comme vos cours correspondent exactement à ce que vous allez faire dans l'entreprise, ben vous êtes efficace, vous êtes apprécié, ça se passe super bien, et derrière, ils vous font une proposition d'embauche. Donc, il y a vraiment ce double aspect qui est très important. Et bon, c'est un peu le côté chasseur de tête où on a voulu vraiment préparer nos étudiants pour que ça soit vraiment très confortable et que ça se déroule bien, tant pendant les études qu'après, en fait. Et ça, on parle d'alternance là, j'imagine, vous le proposez peut-être pas dès la première année, à quel moment du cursus? Alors l'alternance, d'abord, elle est possible, elle n'est pas obligatoire, ça c'est la première chose. Ensuite, on fait tout ce qui existe comme type d'alternance. Il y a plusieurs types de contrats. Quand on dit alternance, on parle des fois de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation. Grosso modo, l'idée, c'est que si l'entreprise, elle préfère l'un plutôt que l'autre, nous, on dira toujours oui et l'étudiant, il pourra toujours rentrer dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. L'alternance, nous, on préfère la proposer à nos étudiants à partir de la troisième année d'études. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous rentriez dans une école d'informatique, vous venez d'avoir votre bac, et donc c'est la rentrée des classes, le 1er octobre chez nous, et donc vous n'avez pas encore eu votre premier cours d'informatique, vous allez d'abord voir l'entreprise. Ben, c'est un peu compliqué quoi, pour arriver dans l'entreprise. Vous n'avez pas appris la première ligne de programmation que déjà l'entreprise vous dit bah, « vas-y, hein, boss ouais. ». Et donc, c'est un peu compliqué. Et donc, on préfère, nous, former nos étudiants pendant les deux premières années. Vous verrez que pendant les deux premières années, vous n'êtes pas plus de 15 dans la salle de classe. Et donc, l'idée, c'est que vous êtes avec un prof, qui d'ailleurs n'est pas un prof, c'est un pro, il faut enlever le F. C'est-à-dire que chez nous, les professeurs, ce sont des gens qui sont des chefs de projet, des consultants, enfin des gens qui viennent vraiment du secteur informatique et qui ne sont pas là pour vous donner des cours magistraux, mais qui sont vraiment là pour partager leur passion. Et comme vous êtes en petit comité, ils peuvent vraiment s'adapter à vous. Okay. Et donc, pendant 2 ans, on vous apprend les bases, on vous rend très, très, très solide. Vous verrez que nous, dans notre contenu pédagogique, sur les deux premières années, vous allez faire l'équivalent de 2 BTS. Vous voyez, donc c'est vraiment fort. C'est-à-dire que, en général, quand vous partez vers les BTS en informatique, vous vous demandez de choisir soit d'apprendre à faire du développement, donc faire de la programmation, des sites web, soit d'apprendre à faire du système, du réseau, ce qu'on appelle les infrastructures, la cybersécurité, tout ça. Donc il y a grosso modo 2 BTS en informatique. À l'école, à l'ESTIAM, on fait les deux. Voilà. Okay. De façon à ce que vous ayez une vue générale. Ça vous permet de toucher un petit peu du doigt ce que vous pouvez aimer. Et après, vous pourrez vous spécialiser en fonction de vos préférences. Mais on ne vous demande pas de choisir avant d'avoir regardé. Et donc, le volume de cours, il est important comme on a ça. Alors, le volume de cours, donc, sur les premières années où là, on n'est pas en alternance. Donc là, c'est cours du lundi au vendredi. Ouais. Ce n'est pas trop méchant parce qu'il y a 6 heures de cours par jour. Et nos étudiants commencent à 10 heures le matin. Donc, il y a pire, je pense. Donc, c'est de 10h à 17h avec une heure de pause et puis il y a des intercours. Donc, grosso modo, c'est 30 heures de cours par semaine les deux premières années. Et quand on passe à l'alternance, c'est complètement différent. Là, on passe à un système où vous êtes une journée à l'école, 4 jours en entreprise. Okay. On fait du 1 plus 4. Et ça, c'est encore le chasseur de tête qui a frappé. C'est-à-dire que c'est un rythme d'alternance qu'on a choisi pour que ça soit très facile à un manager de dire « oui, ok, c'est bon, je le prends, ça sera facile de gérer cet étudiant parce que je l'aurai 4 jours par semaine dans l'entreprise ». Il faut savoir que le rythme d'alternance, c'est la seule chose qui est complètement libre pour les écoles. Quand on parle d'alternance, tout est réglementé, votre salaire, le temps de scolarité par rapport au temps en entreprise, enfin, tout est encadré par la loi, sauf un truc, c'est le rythme d'alternance. Il y a des écoles qui vont vous dire qu'elles font une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, d'autres qui vont vous dire 2 jours, 3 jours, ce genre de choses. Nous, on fait du 1 jour, 4 jours pour une seule raison, c'est pour votre employabilité, pour vous permettre d'avoir vraiment une expérience en entreprise et surtout parce que ça enlève toutes les barrières des recruteurs. Et je peux vous dire que j'ai redonné personnellement le sourire à pas mal de DRH qui étaient prêts à arrêter de faire de l'alternance parce que les rythmes d'alternance désorganisaient les équipes de leurs managers. Ouais. C'est, quand vous avez un jeune qui est en alternance et puis qui disparaît pendant une semaine entière, et ben ça peut bloquer toute une équipe. Et donc, nous, on a un système où vous êtes chaque semaine en entreprise. Voilà.
C'est important parce que c'est, il faut vraiment que vous ayez toutes les armes de votre côté pour décrocher l'alternance. Ouais. Et vous avez d'ailleurs des chiffres sur justement les taux de... Enfin, vous arrivez à placer tous vos étudiants en alternance aujourd'hui, vous avez... Oui, alors, en fait, bon, déjà, il y a, à la base, il y a des dispositifs qu'on a mis en place pour vraiment faciliter l'intégration des étudiants. Et puis, nous, on a des recruteurs qui sont là. C'est-à-dire qu'on a une équipe relations entreprises qui est très complète, où on a une demi-douzaine de personnes qui travaillent au quotidien pour aider nos étudiants à trouver. Donc, nous, on a un service très complet, c'est-à-dire que on va chercher les entreprises, on récupère les postes. Pendant ce temps-là, on vous prépare, on vous aide à faire votre CV, on vous coach. On regarde bien quels sont vos goûts et vos couleurs, parce que dans l'informatique, il y a tellement de possibilités. Donc, on va vraiment affiner avec vous quels sont les points qui peuvent vous intéresser. Et ensuite, on vous prend le rendez-vous avec l'entreprise. Après, vous avoir entraîné à l'entretien d'embauche. Voilà. Donc, on va très, très loin. Et après, bien sûr, quand vous avez convaincu l'entreprise, on s'occupe de toute la paperasse. Ça, c'est logique. Et donc, le taux de placement en alternance. Déjà, en dernière année, il est de 100%. En quatrième année, donc l'avant-dernière, il est quasiment de 100%. Les seuls qui ne sont pas en alternance, c'est ceux qui n'ont pas encore le droit d'être en alternance, parce que souvent, on a des étudiants qui viennent en France dans le cadre d'un visa pour études. Et eux, ils ont une sorte de purgatoire, c'est-à-dire qu'ils doivent attendre 12 mois avant d'avoir le droit de faire de l'alternance. En troisième année, on a la quasi-totalité des étudiants de deuxième année. On leur trouve à tous une alternance en troisième année. Et donc, après, il y a toujours cette tranche de jeunes qui arrivent et qui n'ont pas le droit de faire de l'alternance. On doit être autour de 80% d'alternants en troisième année. Ok, Voilà. ils sont déjà des bons chiffres. Ok, top. On parlait un petit peu de, on a parlé de l'alternance. Est-ce qu'on pourrait parler du profil d'étudiant que vous recherchez? Est-ce que vous recrutez à chaque niveau d'études? Et on avait une question aussi sur quelles sont les spécialités à choisir au bac pour intégrer l'école? Alors, les questions, elles sont très pertinentes. Nous, en fait, on recrute des étudiants, en effet, après le bac. Donc, je croise le doigt pour que vous l'ayez. Et puis, on recrute des étudiants, ce qu'on appelle en admission parallèle. Par exemple, on a des jeunes qui ont fait un BTS, un DUT, et qui veulent poursuivre leurs études chez nous. Ou après une licence, ils veulent aller jusqu'au bac plus 5 chez nous. Donc, on recrute, en fait, en première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Ça, c'est les niveaux d'admission. Alors, au niveau bac. Moi, je vous conseille de prendre des options qui sont orientées, tout ce qui prouve que vous avez un esprit logique, pour résumer. Donc, ça peut être les maths, ça peut être bien sûr le système numérique, ça peut être les sciences de l'ingénieur, sciences physiques. Voilà, c'est si vous tapez dans ce paquet-là, il n'y aura pas de souci après pour prouver que vous avez l'esprit logique et donc vous avez des capacités à apprendre. Sachant que la bonne nouvelle, c'est que l'informatique, je vais vous étonner, mais c'est facile à apprendre. C'est plus facile que le français. En Non. informatique, il n'y a pas d'exception. À l'ordinateur, il fait toujours pareil. Voilà. Et donc, c'est plutôt simple. Le process d'admission, c'est que vous déposez ensuite un dossier donc sur notre site web. Le dossier, c'est vos notes, comme d'habitude, votre CV, une lettre de motivation, une photo, une pièce d'identité. Et ensuite. Dans le cadre d'un étudiant de terminale, la seule condition à remplir, c'est un entretien d'embauche avec nous, grosso modo. C'est un entretien, je dis entretien d'embauche, excusez-moi, c'est un défaut professionnel, c'est un entretien d'admission, mais qui est en fait un entretien où on est vraiment sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que souvent, les écoles, elles ont une certaine arrogance quand elles rencontrent des étudiants. Encore plus quand c'est des lycéens. Et donc, dans notre cas, c'est plutôt un entretien. On va essayer de vérifier chacun qu'on ne fait pas une erreur. Et donc, essayer de vous expliquer c'est quoi les métiers de l'informatique, parce que très souvent, les étudiants qui viennent nous voir, ce sont des étudiants qui sont plutôt copains avec leur ordinateur, et ça se passe bien, mais entre être bon à Fortnite et apprendre les métiers de l'informatique, il y a une différence. Ouais, Et c'est trop donc, non. important ça Ouais. de le préciser, peut-être revenir sur concrètement qu'est-ce que c'est les métiers de l'informatique. Il y a toute une gamme, et justement, tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur à quoi on prépare, quelles sont les spécialisations. Donc,
Il y a, tout d'abord, il y a les métiers de la programmation, c'est-à-dire ce qu'on appelle pisser la ligne, entre guillemets, c'est-à-dire être capable de programmer, de faire des beaux sites web, de faire des applis sur des téléphones mobiles ou bien des programmes un petit peu plus costauds. Par exemple, je sais pas moi, gérer toute la gestion d'une grande entreprise. Voilà, ça, c'est de la programmation. Ensuite, vous avez tout ce qui est autour de la donnée, la data. Et là, c'est un secteur qui est intéressant parce que ça explose en termes de besoins. Pour vous donner une idée, en 2015, on a créé autant de données que depuis la préhistoire. Voilà. On a fait x2 cette année-là. Et depuis, on a fait x2 chaque année. Donc, plus il y a de données, plus il y a de choses à gérer. Et donc, il y a un secteur qui est né de ce volume de données, qui est un secteur qu'on appelle le big data. Donc, big data, il n'y a pas besoin de très bien parler anglais pour comprendre, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos à gérer. Et c'est intéressant parce qu'il y a y a beaucoup d'embauches avec des salaires excellents et beaucoup d'évolutions et il y aura beaucoup de besoins. Je peux vous en citer un, par exemple, qui est le véhicule sans conducteur. Quand on parle d'intelligence artificielle, très souvent derrière, c'est du big data. C'est-à-dire que votre intelligence artificielle, pour pouvoir conduire votre véhicule, ben, il faut qu'elle prenne des décisions. Pour prendre des décisions, elle a plein, plein de données qui arrivent et qu'elle va trier. Si l'un d'entre vous est déjà monté dans une Tesla, qui est quand même le véhicule le plus répandu et qui est le plus autonome aujourd'hui, eh bien une Tesla, c'est bardé de capteurs. Pourquoi? Ben, justement pour recevoir plein de données de partout. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième secteur. Et le dernier secteur, c'est tout ce qui est infrastructure. Grosso modo, c'est comment faire pour que votre ordinateur fonctionne plus vite, comment faire pour qu'il fonctionne en réseau avec plein plein d'ordinateurs dans le monde entier, comment faire pour pas qu'il se fasse pirater, donc la cybersécurité, donc tout comment faire pour qu'il fonctionne dans le cloud, on entend beaucoup parler, vous avez peut-être entendu parler récemment de l'incendie d'OVH Cloud à Strasbourg, où il y a un site qui a brûlé. Donc du coup, ben, quand il a brûlé, il y a des données qui sont parties en fumée. Et très souvent, si vous regardez un site web, je vous conseille de regarder en bas du site, vous avez les mentions légales en général. Et vous verrez que les mentions légales, très souvent, quand vous cliquez, vous voyez ce site web appartient à telle société et est hébergé par OVH, 2 avenue Kellermann à Roubaix. Voilà. Et donc OVH, c'est le plus gros hébergeur de sites web en France. Et donc, nous, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent pour ce type d'entreprise à la sortie de leurs études. Donc, voilà pour vous donner un panorama de ce qu'on fait dans l'école. Ouais, très intéressant. Alors, comment se passe concrètement la mission? On en a parlé, mais jusqu'à quand on peut postuler à l'ESTIAM? Est-ce qu'il y a une date limite dans l'année? En fait, y a deux populations différentes, on va dire. C'est quand vous êtes en terminale. En grosso modo, on peut attendre le mois de juillet, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez attendre d'avoir les résultats du bac, vous pouvez attendre. La bonne nouvelle, c'est que normalement, vous avez une probabilité très élevée de l'obtenir. Donc, soyez bon au quotidien, voilà. Et puis, tout se passera bien. Et puis, si vous êtes en train de rechercher une alternance, là, mon conseil, c'est qu'il faut commencer maintenant à se mettre vraiment en recherche. Parce que c'est très saisonnier, en fait, l'alternance. C'est-à-dire que les entreprises. Grosso modo, à partir de fin mars, début avril, elles commencent à savoir ce qu'elles cherchent. Avant ça, c'est trop tôt. Elles ne savent pas encore de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles ont comme poste à pourvoir. Elles ne connaissent pas les profils qu'elles vont chasser, grosso modo. À partir d'avril, là, c'est le top départ. Nous, on a commencé à faire des forums entreprises et donc ça a vraiment démarré très fort. Et grosso modo, la plupart des boîtes essayent de finaliser leur recrutement avant l'été, voilà, avant de partir en vacances. Après, il peut y avoir des retardataires, il y en a toujours qui finalisent en septembre, mais ce n'est pas en septembre qu'on commence son recrutement, en septembre, on le termine. Donc, ce sont les recrutements commencés en juin-juillet, interrompus par les vacances, qui vont se terminer en septembre. Donc, moi, mon conseil, c'est si vous voulez faire de l'alternance, donc si vous êtes en train de finir un BTS et que vous voulez ensuite continuer vos études en gagnant un salaire en même temps, donc en faisant de l'alternance, c'est maintenant qu'il faut commencer à vous y mettre. Donc, affûtez votre CV, affûtez votre profil LinkedIn, c'est très important LinkedIn. LinkedIn, c'est soit le début, soit la fin de votre recrutement, il faut le savoir. Aujourd'hui, les recruteurs, soit ils se passent de CV parce qu'ils vont chercher votre profil sur LinkedIn pour vous faire des propositions,
Ou alors, ils vont vérifier votre CV sur votre profil LinkedIn. Donc, c'est incontournable. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Et nous, à l'école, on forme nos étudiants, on leur donne les conseils. Enfin, voilà, on s'arrête pas au CV. Le CV, c'est que le début de la candidature. Le profil LinkedIn, c'est vraiment très, très important et incontournable. Ouais, Donc c'est voilà, c'est maintenant qu'il faut vous y mettre, hein. Les futurs alternants, c'est chaud bouillant, c'est maintenant qu'il faut y aller. ouais, et puis n'importe quelle filière, finalement, on pourrait penser que l'informatique LinkedIn, c'est pas forcément comme la communication, mais effectivement, c'est important de le rappeler que c'est important quelle que soit la filière. Et est-ce que vous avez des conseils justement à donner si on veut intégrer l'école, des conseils, qu'est-ce qui va être valorisé dans une candidature, par exemple? Alors, pour un étudiant qui est au lycée encore et qui voudrait rentrer en première année, nous, on part du principe qu'un étudiant a zéro connaissance informatique et qu'il nous rejoint. C'est rarement le cas, mais on fait comme si. Et donc, nous, notre critère, c'est pas est-ce que vous savez déjà programmer ou est-ce que vous avez déjà la science infuse. Au contraire, on va vous former à partir de zéro. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de cas où les étudiants, enfin les élèves ont commencé à faire de l'informatique au lycée, c'est une très bonne chose, mais nous on part de zéro et donc c'est plus confortable pour intégrer. Donc pour moi, le critère, c'est pas le savoir-faire, c'est l'envie de faire. Le critère d'admission chez nous, c'est la motivation, c'est montrer qu'on est passionné et l'envie d'apprendre, voilà, l'envie de s'impliquer. Et donc on va pas forcément chercher des premiers de la classe, on va chercher plutôt des personnes qui sont motivées et qui ont envie en fait de, si vous voulez, de pouvoir mettre à profit ces technos, sachant que la seule chose qui est certaine, c'est que tout va changer demain. C'est-à-dire qu'en informatique, c'est un peu un feu d'artifice, il y a toujours des nouvelles technologies qui apparaissent, hein, et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et donc le métier d'informaticien, c'est d'aller bosser avec des non-informaticiens. Et donc de les aider en fait à tirer profit de ces technologies. On le voit en ce moment avec la pandémie où bah, tout le monde serait complètement fermé s'il n'y avait pas le numérique. Voilà. Et donc il y avait plein de commerces qui étaient complètement bloqués. Et donc il y a eu une vague de solidarité où il y a beaucoup d'associations ou bien d'entreprises qui ont essayé d'aider les petits commerces à pouvoir faire du click and collect, donc faire de la vente en ligne. Et voilà, ça c'est le métier d'informaticien, c'est d'aller prendre la main de celui qui n'y connaît rien et puis de l'aider à s'en sortir et pas de se faire piéger par l'informatique. Voilà. Donc ça c'est mon, comment dire, c'est mon critère de choix pour les élèves débutants. Et bien sûr, pour les élèves qui veulent rentrer directement en troisième année, quatrième année, vous aurez quand même des tests techniques à valider pour être sûr que vous ne soyez pas en train de vous noyer chez nous l'année suivante. Donc, on va juste vous faire passer des tests et qui seront vraiment à votre niveau normalement. Hein. Si vous êtes en train de finir un BTS et que vous demandez une troisième année, vous aurez des questions qui sont vraiment à votre portée. Mais l'idée, c'est de valider quand même que vous ayez le niveau pour survivre à l'école l'année qui suit. Parce que moi, mon kiff, c'est pas de faire rentrer des étudiants pour qu'ensuite ils se plantent. Donc, moi, je veux vraiment intégrer des étudiants pour qu'ils puissent profiter d'une scolarité où on va vraiment les aider, puisque je vous ai dit qu'on est en petit comité en salle de classe, donc on va vraiment vous soutenir. Et puis, on va vous permettre surtout d'avoir une première expérience professionnelle en alternance et qui, derrière, débouche en général vers une embauche. Hein. Okay. Ça, c'est le point fort de l'informatique, c'est qu'en France, tout le monde grimace à cause du chômage. Sauf en informatique, où là, c'est les DRH qui grimacent à cause du manque de professionnels. Et donc, on est à l'envers de tous les secteurs. Il faut que vous sachiez que, tout domaine confondu, c'est en informatique que les salaires des débutants sont les plus élevés. Quand un recruteur passe une annonce, par exemple, pour recruter un informaticien, ben c'est dans ce secteur-là qu'il y a le moins de CV qui tombent. Tout domaine confondu. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si on regarde tout simplement la loi de l'offre et la demande, ben là, la demande, elle est très forte des entreprises. L'offre, elle est plutôt faible en termes de CV. Et du coup, quand l'offre et la demande est déséquilibrée, qu'est-ce qui se passe? Ben, les prix montent. Voilà. Et là, les prix, c'est les salaires. Donc, nous, on a des étudiants qui, en première embauche, tournent autour de 40 000 euros quand même. Ouais, ça fait du 3 600 euros par mois. Ok. En 2 ans, il passe le cap des 45 000. Oui. Voilà. Non, mais Et là, je vous parle de sondage malgré la pandémie.
C'est-à-dire que c'est des sondages qu'on a fait récemment, et donc la pandémie n'a eu aucun impact sur le niveau de salaire de nos étudiants. Ça, c'est important. Ok, top, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des exemples d'alumni aujourd'hui qui ont terminé leurs études à l'ESTIAM? Alors, je Oui, sais tout à fait. que vous êtes Alors, on est une jeune école, donc on une n'a école. pas encore beaucoup d'anciens élèves, mais on en a quand même, hein. On a maintenant 4 promos d'élèves diplômés. Moi, j'en ai un que j'ai en tête parce que j'ai échangé avec lui il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Florian. Florian, il est à Montréal maintenant. Il est à la Banque nationale du Canada. Et il est DevOps. Alors, DevOps, c'est quoi? C'est la contraction de développeur et operations. C'est ce qui veut dire, c'est un terme qui a été inventé aux USA pour parler de personnes capables de programmer. Et en plus, une fois qu'ils ont programmé, ils sont capables de mettre en ligne leur programme, c'est-à-dire de le faire fonctionner sur un ordinateur, sur un serveur, sur un site web. Voilà. En général, traditionnellement, c'était deux métiers différents, c'est-à-dire que les gens qui développaient n'aimaient pas trop faire de la mise en production, et les gens qui étaient sur la partie système et réseau n'aimaient pas trop faire de la programmation. Et donc là, c'est des profils qui font les deux à la fois. Donc Florian, il a bien réussi, je trouve. Et puis, nous, maintenant, on a des contraintes au niveau des diplômes en France, on doit mettre à jour les niveaux de rémunération de nos étudiants. Dans la durée, vous sachiez que nous, on a des titres qui sont enregistrés au RNCP. Le RNCP, c'est-à-dire le Registre national des certifications professionnelles, c'est un peu le catalogue des diplômes en France. Et ce catalogue, il y a des niveaux. Et nous, on est niveau 7, qui est le niveau le plus élevé, c'est équivalent au bac plus 5. Et pour être niveau 7, il faut savoir qu'on doit subir des enquêtes sur le niveau de salaire et le niveau d'intégration de nos anciens élèves. Voilà. Et donc, bah lui, il a vraiment une très belle rémunération. J'ai un autre étudiant qui, lui, est consultant en big data, on en parlait tout à l'heure, chez EDF, pour le compte d'une société de conseil qui s'appelle Inetum. Alors, Inetum, c'est pas encore très connu, mais l'ancien nom, c'est GFI, c'est un petit peu plus connu. C'est une boîte qui était une très grosse boîte de conseil en informatique. Donc, lui, il est en charge d'aider, en fait, EDF à faire de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que dans le temps, on faisait de la maintenance corrective ou de la maintenance, on va dire, annuelle, quoi. C'est de la maintenance classique. Je ne sais pas, moi, si vous avez une chaudière à la maison, vous avez quelqu'un qui vient faire l'entretien tous les ans. Eh bien maintenant, avec le big data, on est capable de dire que votre tel appareil va tomber en panne dans une semaine si vous ne venez pas tout de suite faire une intervention. Parce qu'ils ont l'historique de toutes les pannes, de tous les appareils. Et donc, comme ils ont tellement, tellement de quantités de données, ils sont capables de prédire où est-ce qu'il faut faire la maintenance. Et sinon, j'ai un dernier profil qui s'appelle Samir. Samir, lui, il est Service Delivery Manager. C'est un terme kabbalistique. Dans une boîte qui s'appelle Claranet. Claranet, c'est un hébergeur dans le cloud. On a parlé d'OVH tout à l'heure, Claranet, c'est un de ses concurrents. Service Delivery Manager, c'est-à-dire qu'il est en charge de clients de la société. Il est en charge à la fois des projets techniques et aussi de l'aspect financier des projets. Donc c'est intéressant parce qu'il a cet aspect complet où il est l'interlocuteur principal du client, et le client étant une grosse boîte très très connue. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de Florian, il me semble, Ouais. qui était à Montréal. C'est aussi important de le dire, qu'on peut, c'est un métier où on peut bouger pas mal. Y a du, enfin, on peut, le recrutement peut se faire dans d'autres pays. La bonne nouvelle de l'informatique, c'est que si on apprend le langage Java, eh ben, ça s'écrit partout pareil dans le monde. Et donc, quand vous commencez à apprendre à programmer, que ce soit de l'HTML, du Java, du JavaScript ou whatever, eh bien, en fait, c'est une compétence qui est mondiale. C'est pour ça que nous, on a pu créer des campus à l'étranger aussi déjà. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais on a 7 campus en France. Et on a un campus à Bangalore en Inde, on a un campus à Washington. Et on a ouvert un campus récemment à Genève. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que les cours, c'est les mêmes. C'est facile, en fait, de mettre en place des cours internationaux quand vous êtes une école d'informatique. Super. Ok. Bah, écoutez, pour terminer, est-ce qu'il y a des événements à venir à l'école Ah, oui, je peux vous donner rendez-vous à tous samedi.
Samedi. Samedi, on fait une JPO virtuelle, comme d'habitude maintenant. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est facile. Vous allez sur le site web de l'école et vous avez en homepage, vous avez des annonces qui défilent. Et donc, il y en a une qui va apparaître qui vous dira qu'on fait un live samedi à 14h30. Samedi, on sera le 10 avril. Et puis, tout à l'heure, on parlait de LinkedIn, de choses comme ça. On fait une petite formation justement sur comment avoir un super profil et comment chercher son alternance. Et ça aura lieu le 22. Donc c'est un jeudi, si je ne dis pas bêtise. Mais comme c'est pendant les vacances, c'est pas très gênant. Ça sera le jeudi 22 avril à 16h. Et pareil, vous pouvez vous inscrire sur le site web. Suffit de remplir le formulaire web qui va bien. Et ensuite, on vous enverra le lien Zoom pour la formation. Et c'est une formation ouverte à tous, ouverte à tous, pardon. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est vraiment pour partager. Enfin, nous, on a une force dans cette école, c'est qu'on est relativement. Enfin, on a une vraie expérience du recrutement, quoi. Là où on est très crédible, c'est qu'on a vraiment le langage à la fois des DRH, des chefs de projet, des directeurs informatiques, et on est une école qui est très proche du monde industriel. Traditionnellement en France, les écoles, des fois, elles ont du mal à parler avec les entreprises. Nous, c'est notre point fort. On est très proche des entreprises et donc, du coup, on a ce savoir et c'est pour ça qu'on essaye de l'apporter aux étudiants. Enfin, moi, j'ai formé quand je faisais de la chasse de tête, j'avais des candidats qui étaient des gens qui avaient 10-15 ans d'expérience et je leur apprenais quand même comment diriger leur entretien d'embauche pour qu'ils réussissent. Et donc, voilà, si on peut vous apporter ça, ça sera vraiment avec plaisir. On est Génial. très partageurs à l'estiam. Génial, c'est un très bon point. Super. Écoutez, s'il n'y avait pas d'autres questions, de toute façon, le live sera en replay sur notre page Instagram. On va essayer de le repartager au max en IGTV, du coup. Vous pouvez de toute façon aller consulter aussi les avis des étudiants sur Capitaine Studi, parce qu'il y a pas mal d'avis sur l'estiam. Donc, il suffit de taper Estienne Paris sur le site de Capitaine Studi pour lire ses avis. Merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment. Enfin, voilà, j'ai bien apprécié cette discussion. Et si, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vous demanderont mes coordonnées, mais vous pouvez leur communiquer mes coordonnées. Ils peuvent me parler directement ensuite. N'hésitez pas. Voilà. Sur votre compte Instagram, par exemple? Oui, ou mon mail, enfin, ou whatever. Ouais. Ok. Je Ça suis marche. ouvert pour Instagram, bien entendu. Super, écoutez, merci beaucoup. Merci, Leslie. À bientôt tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.